finally after COVID we get to come here, and this is where I start my tour. I go up, I watch the skateboarders, and I take a picture from here, and I know I'm in Paris. So I didn't know if this was a temporary construction or whatever, but it's bugging me. Es una pena que esté esta zona en obras, porque además es la zona más emblemática de París, hacernos la foto aquí en la Torre Eiffel. Pero bueno, y me parece peligroso tener que subir aquí, porque nos podemos caer y ya estropearía el viaje. C'est très très décevant, c'est dommage. En fait, pour prendre une photo à Tour Eiffel, il faut être beaucoup plus loin. Non, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Justo estábamos pensando en qué lado, o sea, como que de qué lado podía no verse tanto, porque pues sí, estábamos viendo que del otro lado también hay andamios, entonces como que dices, ah bueno, entonces no hay un lugar donde salga la foto perfecta, ¿no? Et puis ça fait un peu plus sale et ça fait moins propre quoi, donc c'est ça. We were at the Eiffel Tower and our pictures were ruined a little bit because of the construction going on there, but nowhere near as much as over here. Depuis quelques années, on est de plus en plus restreint à se rapprocher à ces monuments qui ont autant d'histoire. Bah oui, c'est dommage, c'est dommage. Les gens ressentent vraiment le bonheur de pouvoir revisiter Paris à nouveau. Donc c'est ça qui prédomine, plutôt que c'est un détail que certains monuments. Et puis il y a tellement de monuments à Paris qu'on peut admirer, que voilà, il y en a quelques-uns qui sont en travaux, ça passe.